Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique. Dans cette vidéo, on va sortir un petit peu du sujet du dos, mais vous verrez, c'est un sujet très important. C'est la stabilité de la cheville. Si vous avez eu des traumatismes au niveau de la cheville, entorse, foulure, fracture, quoi que ce soit, si vous avez eu des chocs, si vous êtes tombé, que ça a gonflé, que ça a craqué, que vous avez eu des hématomes ou que vous avez eu des douleurs au niveau de la cheville, la première chose à faire, c'est bien sûr de consulter. Alors consultez d'abord bien sûr votre médecin si vous avez besoin de faire des examens complémentaires, radio, échographie, IRM, etc. Sinon, vous avez aussi donc va forcément votre kinésithérapeute qui va vous faire des exercices spécifiques pour renforcer en fait la stabilité de votre cheville. Je vous conseille également d'aller consulter un ou une éthiopathe dans votre région car il va bien sûr mobiliser en fait votre cheville et il va également vérifier bien sûr d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et ensuite dans cette vidéo on va voir deux exercices très efficaces que je tire aussi donc de la danse classique si vous faites du sport etc. Vous avez besoin de renforcer votre cheville, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. On va donc voir deux exercices. Le premier exercice va travailler la mobilité de la cheville tout en renforçant les muscles de la cheville. Le deuxième exercice, ça va être un exercice qui va renforcer la cheville et travailler l'équilibre et donc la stabilité de la cheville. Si vous faites ces deux exercices régulièrement, vous allez augmenter la stabilité de la cheville en travaillant vos muscles et votre mobilité de la cheville. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va voir les deux exercices. Alors le premier exercice qu'on va faire, donc on va toujours travailler une cheville puis l'autre cheville. Si vous avez une instabilité de la cheville droite, imaginons, et que vous n'avez pas une instabilité des deux chevilles, vous pouvez travailler plus particulièrement la cheville droite. Je vous conseille néanmoins de travailler toujours les deux en même temps, même si vous avez un problème que d'un côté. Pour la mobilité, on peut se tenir à une chaise ou à une table. Vous allez vous mettre plutôt sur un pied et vous allez faire des relevés jambes tendues. Alors, on y va, on relève ici, vous voyez, ça craque. Et on va relever jambes tendues pour travailler la mobilité de la cheville, plutôt l'avant ici au niveau de la cheville. Donc si vous pouvez, vous le faites que sur un pied parce que comme ça, ça va beaucoup plus renforcer au niveau de votre cheville. Hop, donc on y va et on va faire comme ça des petits relevés. On peut en faire 10 si on veut bien renforcer. On en fait beaucoup plus. On peut en faire 20, faire une pause, faire 20 de l'autre côté. Ça renforce vraiment le mollet. Vous voyez, hein, ça contracte bien ici au niveau du mollet. Donc on fait des petits relevés comme ça et on relâche. On va faire l'autre côté. Hop, on essaie d'aller ici le plus loin possible. On ne fait pas juste comme ça. Vous voyez, on essaie d'aller tac le plus loin possible pour travailler la mobilité ici, vous voyez, de la cheville. On fait des petits relevés comme ça, on essaie d'aller loin et on relâche. Si vous avez du mal, si vous n'avez pas de temps, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc vous relevez ici les deux chevilles en même temps. Hop, donc ça c'est toujours jambes tendues, hein. genou tendu. Une fois qu'on a fait genou tendu, on va faire genou plié. Donc on fait genou tendu. Hop, et après on va plier le genou et on va travailler ici, genou plié. On étire bien ici l'arrière de la cheville, vous voyez. On étire bien ici et on va relever, jambe pliée. On plie et on relève. On plie et on relève. On peut très bien travailler vraiment dans l'axe du genou. Le but, c'est de ne pas mettre le genou trop vers l'intérieur, c'est-à-dire d'avoir le genou ici qui se décale. Le but, c'est d'avoir le genou qui va dans le sens du pied et donc qui va aller recouvrir en fait les orteils. Donc en fait, soit on se met comme ça et on plie dans le sens comme ça, soit on se met comme ça et on plie dans le sens comme ça. Il faut juste bien plier le genou et pas avoir un genou qui est désaxé. Hop, on plie ici, on plie bien, ça étire ici vraiment bien le tendon d'Achille, hein, et on va tendre, plier et tendu, plier et tendu, plier, et on peut même faire aussi plier, plier.
plier, plier. Voilà, tout ça, c'est des exercices mobilité et renforcement de la cheville. Vous allez bien sentir que ça renforce. Hein. Ensuite, deuxième exercice. Donc là, on va plus du tout se tenir, mais on garde à côté de soi un moyen de se tenir. Et on va aller sur un pied seulement. Donc là, on renforce l'équilibre de la cheville. Et on va essayer de lâcher ici. Donc ça va travailler ici l'équilibre de la cheville. Si on est vraiment en post-traumatique, etc., cet exercice-là, on se tient vraiment bien, au cas où, hein, on fait vraiment très léger. Si on tient bien l'équilibre comme ça, il y a un exercice qu'on peut faire, c'est juste plier ici. Vous voyez, déjà, ça déséquilibre. Donc, on plie bien dans le bon sens et on va travailler ici l'équilibre de la cheville juste en pliant. Et ensuite, on va aller venir tendre. Donc, on essaye de grimper sur la cheville. Donc, on plie et on va essayer de relever sur demi-pointe. On relève sur demi-pointe et on replie et on est totalement en équilibre. Vous voyez, c'est vraiment la cheville qui travaille. On est plié. Allez, on essaye de relever sur demi-pointe. On essaie de relever sur demi-pointe et on replie. Et si on a perdu l'équilibre, hop, on se rattrape. Et vous voyez, vous allez vraiment sentir. Hein. Là, vraiment, je sens ici au niveau de la cheville. Donc, bien sûr, hein, mobilité, on peut faire des petits ronds aussi comme ça de temps en temps pour détendre. D'un côté et puis de l'autre. On va faire l'autre pied, on plie, on lâche l'appui et on va venir tendre ici. Si on tient pas, hop, on se tient légèrement. Mais le but, c'est vraiment de travailler au maximum son équilibre. Donc on essaye de pas retoucher et de travailler l'équilibre juste au niveau d'un pied en tension ici comme ça. Et en repliant, hop, donc bien sûr, on avait le travail jambes tendues, on a le travail jambes pliées, et après on a le travail en relevé, hop, et on relâche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut bien sûr le faire des deux côtés, et on peut faire ici des relevés comme ça, et venir s'appuyer sur une jambe, hop, et travailler ici un petit peu comme ceci. Mais c'est moins probant, hop. Et on vient, touc, chercher ici la mobilité, hop, d'un côté et de l'autre. Si vous faites celui-là, vous tenez bien. Ensuite, vous faites celui-là, vous tenez bien. Et ensuite, hop, on relève. On tient et on replie. On maîtrise la descente. On maîtrise, plus vous faites doucement, plus ça va venir travailler. Et voilà, vous avez bien stabilisé vos chevilles. Je vous félicite, ça renforce et ça mobilise. Donc c'est parfait pour corriger votre instabilité de la cheville. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la cheville, bah n'hésitez pas à me le signaler et j'en referai d'autres. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tous mes conseils sont dans ma newsletter. Le lien est en bas de la vidéo. 3 conseils par semaine sur la santé. À très vite !